on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et donc pour une vidéo d'Animal Crossing Akisu, pour pas changer. Donc je ne sais pas quand j'aurai cette vidéo, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la publier le jour même. Voilà, tout est prêt, Delphine. Oh, je veux dire, Madame le maire, vous êtes au courant? Aujourd'hui, le soleil ne pointera pas le bout de ses rayons. En effet, c'est le solstice d'hiver. Alors profitez de ce jour particulier où il fait si peu jour à Kisu. J'ai même prévu quelques babioles pour marquer l'événement, alors passez me voir plus tard. Donc voilà, bon, je vais faire une petite vidéo, mais pas que pour ça, parce que je crois que l'année dernière je l'ai déjà fait, mais pour vous montrer les petits changements, parce que voilà. Ça fait trop bizarre d'avoir la musique du jour et qu'il fasse nuit. Ça me perturbe toujours autant. Donc, je sais pas si vous avez entendu la musique. Là, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais planté un arbre pour meubler un petit peu. Alors, j'ai eu un bingo-go, en fait. J'ai eu un canon à neige, donc je suis très contente. Un autre truc se passe par là-bas, donc on va y aller. Mais je fais un petit tour quand même, une pour voir où sont les petites boules de neige. Donc il y en a une là. Et aussi pour voir s'il n'y a pas d'habitant qui s'est foutu ça. Sa maison, parce que je suis toujours en manque d'habitants. Je parle en même temps à ceux qui sont là. Salut Delphine, pas de soleil aujourd'hui pour cause de solstice d'hiver, coin loin. Inutile de laver ton linge, il ne séchera pas. Tant mieux, le linge, c'est pas passionnant non plus. Alors je peux faire quelque chose pour toi? Alors quoi de neuf? J'ai faim de chez faim. La seule chose susceptible de me calmer serait une pêche. Je pourrais m'en trouver une d'urgence. Ça marche. Allez, on va trouver une pêche. Je fais jamais ça. Allez. J'ai pas grand chose dans la vidéo, donc bon. Une pêche. Tu en es pas sur moi? Bah non. Hop. Tiens. C'est rien, c'est un message. Je l'ai. Voilà, vivement que je croque dedans. Je vais l'ouvrir parce que ça va ressonner dans 2 minutes. À vos marques, prêt, manger. J'attendais de pouvoir manger ce fruit depuis si longtemps, c'est aussi délicieux que je l'espérais. Tiens, j'aimerais te donner une table à poids. Table basse pois rouge pour te remercier. Je suis très contente. Merci de m'avoir apporté tout juste ce que je voulais, tu es très... J'ai pu avant d'avoir fini de lire. Bon, alors, j'ai fait des petits trucs... Ah, attendez, j'ai un petit papaye Titi. Yeti. Bonjour, bonjour, en quoi puis-je t'aider? Jo Bingogo. Nom d'une carotte, tu n'as pas de grille de Bingogo? C'est une blague? Pour un papa Yeti, les grilles de Bingo sont un symbole de gratitude. Nous les offrons à nos créateurs. Ah oui, c'est vrai, faut que j'en crée un pour avoir une grille. Donc voilà. Ah, une boule. Oh purée, la boule est moins bien placée, quoi. Okay. J'ai mis un petit banc. J'ai pas mis là. Mais, je l'ai mis là. Et j'adore, c'est trop beau. J'adore. Voilà. Donc les petits arbres qui poussent. Alors, voilà une petite entrée. Je sais pas trop où je ferai l'entrée. Si je mettrais un truc là. Peut-être que je mettrais genre une fontaine à breuvoir ou un truc dans le genre que je voudrais débloquer. Franchement, j'adore. C'est trop bien fait, j'adore. Et là, j'ai planté un autre arbre. Je sais plus ce que j'ai planté, mais c'était pour meubler parce que ça faisait vide. Là, j'ai toujours pas résolu le problème d'aller. Donc du coup, bah, je sais pas trop si je vais laisser ça. Je me demande si je vais pas enlever le banc. Enfin, je sais pas, pour l'instant, je vais le laisser. On verra si un jour j'ai plus de projets, j'enlèverai. On va aller voir Marie. Et on va aller chercher les boules de neige et faire un papier Yeti. Parce que je veux continuer à faire mes trucs de papier Yeti. Attendez, je fais un petit photo pour la miniature qui arrivera un jour. J'ai pas beaucoup de symboles. Alors, du coup, voilà. Bonjour, madame le maire. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. J'ai préparé un petit quelque chose pour le solstice d'hiver. Ça vous intéresse? C'est une baguette fluo.
Vu qu'il fera nuit toute la journée, j'ai pensé que ça pourrait vous être utile. Tout à fait. Je crois qu'elle est bleue, celle-là. Ouais. Allez. Là, j'ai pas d'habitants, non. Pas de nouvel habitant. Bon, il y a la boule de neige. Non, elle est pas là d'ailleurs, elle est là-bas. Attendez, je passe. Je ne fais que de passer. Donc, on va essayer de faire la grosse boule là. Et l'emmener de l'autre côté pour faire le corps. Je crois que ça va être le truc que je vais faire dans toutes les vidéos cet hiver. Parce que la dernière fois, j'ai dit que je la faisais pas. Et puis, bah, j'ai oublié de le faire. Je crois. En fait, il y a un doute. Mais il me semble que j'ai oublié de le faire. Tu vois, c'est vraiment, vraiment pas pratique de faire une... rouler une boule. Non, faut que je passe par là-bas. Hop. Je parle pas trop parce que je me concentre. Je me concentre pour une boule de neige. Voilà. Ok, maintenant faut pas que je fasse celle-là parce que la dernière fois j'ai cassé. Ni que je la fasse tomber dans l'eau. Ah, c'est bon. Ni que je lui colle ça sur la tête parce que ça va pas trop lui plaire. Non, c'est un peu petit. Hein. On va rouler encore cette boule. Je pense que ça va pas faire un papa Yeti. Le corps, ça a l'air d'être bon, mais alors la tête, je crois qu'elle est un peu petite. Allez, je le tente, on verra bien ce que ça fait. Si ça fait un papa Yeti. ce que j'aime, ce sentiment de sérénité, ce corps si harmonieux, si tendre, j'en rêvais depuis des années, des siècles, des millénaires. Tu veux verser une ou à pas lire, parce que c'est tout le temps la même chose. Allez. Non, je suis pas crise de bingo go. Je veux bien. Allez, nan. Allez, hop. Voilà. Allez. Vas-y, fais tourner les yeux. Ouais, je l'ai. Donc là, je vais pouvoir aller le voir. Voilà. Il fallait que j'ai une grille pour faire tourner celui-là. Non, je crois pas que j'ai. Non, je l'ai pas. Méchant. Ça me fait méchant. Je t'aime pas. Qui veut me parler? Marina. Qui souhaite une vie splendide? Eh bien, j'ai eu l'idée qui va la rendre splendidissime ici. C'est un projet que j'ai baptisé parterre de Sublime parterre de fleurs pour la belle ville de Kisou. Parterre de fleurs, je sais pas ce que j'en fais, mais j'ai un parterre de fleurs, je suis contente. Oh, merci Marina. Je suis contente parce que mes habitants, ils ne proposaient plus aucun projet, genre j'étais trop triste quoi. J'ai plus de place dans mes poches. J'ai littéralement plus de place. Qu'on va acheter le truc. Hop. Hop, ça c'est quoi? Un paquet que je voulais livrer. Tablette gauche pour foutre. Allez, on va aller faire un petit peu de shopping. On va chercher Bisson.
Ébullition, ébullition, ébullition. Oui, je fais qu'un peu une crise, hein, mais. Évidemment, on va pas durer trop trop longtemps. Parce qu'il faut que je la monte et que je la publie pour le jour même. Parce que voilà. J'ai pas pris le temps de la tourner avant, alors. J'ai pas eu le temps. Donc, je prends ça. Ok. Je prends ça. Ok. Je vois en haut s'il n'y a pas un petit meuble de la collection festive. Et là, il va falloir que je fasse un petit truc à l'an. Parce que ma pièce, ça ressemble à rien. J'ai entassé tous les objets festifs. Avec... Tiens, je l'avais pas, je crois que c'est là. Avec... Oh, j'ai plus de sous! Ah oui, j'ai payé mon banc! Oh! J'ai plus de sous! Ah bah... Merde alors! J'en ai pas en réserve! Ah bah le shopping, il a tourné vite, j'ai plus de sous! Faut aller voir quand même. J'ai pas un truc qui... Au pire, faut bah, déterrer tout ce qui traîne dans la... À qui sous, hein, parce que là, il me faut des sous. Alors, retrait. Ah, j'ai plus de sous. Oh, voilà. Bon, bah, on va aller rechercher tous mes babioles que j'ai laissé traîner. Et puis, bah, faire. On va refaire hein. Bon. Donc ça je récupère tout ça. Hop. Ça va me faire de l'argent. Bon alors on va aller juste devant chez Anna. Enfin devant ou derrière, je sais pas, un endroit. Genre là. Lui jeter le canon à neige parce que j'en veux pas chez moi. Donc ça, on pourra aller le vendre. Ah, ça va me rapporter des sous. Voilà. Ah, en plus, une pépite d'or. Et me dites pas qu'il n'y a plus rien dans la terre. Hein. Je vais pêcher pour rien, là-bas. Bon, j'allais jeter mes... Je vais jeter mes buissons. Hop. On va remettre ma baguette par contre. Voilà. Pendant ce temps-là. Là, c'est des trucs de buisson de bambou. Je crois que c'est là-bas que j'ai pas été faire ménage. Y'a plus rien! Mais dites pas que j'avais fait tout le ménage! Ah si, je crois que j'avais fait le ménage pour finir payer. Ah non, il y a un truc là. Yes! Yes, yes, yes! Là, y'a plus rien. Là, y'a un truc. Bon bah on va aller au musée. Ça c'est du bambou. On va aller au musée, faire expertiser nos fossiles, puis bah on ira. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Hop hop hop, je cours, je cours, je cours, je cours. Ça, je crois que c'est la première fois que je suis à la fronde dans Animal Crossing. Bonjour. Examinons fossiles. Alors j'en ai 5. Est-ce que t'en as que t'as pas dans ton musée? Ah bon. D'accord.
Bon, c'est pas, c'est mieux parce que moi je vais pouvoir les vendre. Allez, salut. J'aimerais faire remonter mon petit pécule, mes petites clochettes. Parce que ça, quand même, faut le faire. Quand même le faire, ça. Alors, non, c'est pas par là, on va passer par là. Sans écraser les fleurs. Enfin, celle-là, je m'en fous parce que j'ai juste placé là pour meubler. Hop là. Tiens, j'ai plein de trucs à te vendre. Alors, je viens te vendre ça. Alors, ça. Oui. Ah bon? Parfait. Ah bah non. Je me sens un petit peu plus... Un petit peu plus riche quand même, hein. Bon, bah je vais juste regarder ce que c'était le truc le plus cher. Ah, c'était les cristaux. Ok. Bon, bah c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera bientôt.